Et yap tout le monde, c'est Pentakill et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et on se retrouve pour un pack opening de leurres. J'ai des leurres, j'ai commandé des leurres. Mon frère va vous expliquer ce qu'on a commandé. Donc voilà, voilà. On a commandé 21 leurres durs, des poppers et des jerks. 9 euros les 21 leurres, plus 3,50€ de frais de livraison. Voilà, donc ça c'est le tarif en France, pour les avoir en France. Donc selon où est-ce que vous êtes, ça va vous revenir plus ou moins cher. Voilà, donc on va commencer par ouvrir directement. On va commencer par... Bon, on commence par ton côté. Ouais, vas-y. C'est ces deux boîtes qui sont collées l'une à l'autre. Allez. On ouvre le carton. Un peu difficile à ouvrir, mais au moins ils sont sécurisés. Ouais. Petit coup de ciseau, ça va aller plus vite. Hop les. On va commencer. Donc là, on peut voir qu'il y a du leurre quand même. Je vais vous montrer. Donc dedans, il y a vraiment pas mal de leurre. Donc on va les ouvrir un par un. Donc on va voir ce que ça va donner. Hop, on va vous ouvrir ça comme ça. Vas-y, bah je te laisse prendre le premier. Alors, voilà. Un popper avec la petite plume derrière. Pas mal, pas mal. Il est de couleur un peu jaune-marron. Jaune et en dessous argenté avec une petite plume. Pas mal, pas mal. Ensuite, encore un popper. Donc celui-là, il est un peu moins emballé. Je sais pas pourquoi. Donc, je vous le montre. Il y a des billes à l'intérieur. Il fait du bruit. Sympa. Par contre, il n'y a pas de plume, lui, mais bon, c'est pas grave, il faut avoir avec des plumes et sans plumes. Donc, on va peut-être mettre ça là, je vais peut-être les laisser là. Comme ça, je vous montrerai tout ce qu'il y a comme leurre. Voilà, alors, il y a des leurres qui sont en double. Il y a des leurres en double, comme vous pouvez le voir. Donc, celui-là, c'est celui que je vous ai présenté juste avant dans la pochette. Ils sont à deux. Alors, voilà. Moi, je vais vous présenter celui-là. Il y a des traits, argentés et noir dessus, ouais. Bah, couleur tiger mais or. Voilà. Ensuite, ce petit leurre. Donc, c'est le même que le premier. Donc, hop, on va vite passer. Quand c'est les mêmes. On en a pris plusieurs vu qu'on sait qu'il y en a qui fonctionnent super bien. Comme celui-là. Un petit super bon. On en a trois comme ça. C'est trois mêmes. Voilà. Ensuite, celui-là, c'est encore un qu'on n'a pas. Si. Qu'on n'a pas encore ou on n'a pas encore sorti. Non, celui-là. On n'a pas encore sorti. Donc mais celui-là, super bien. C'est un rouge avec des petits traits et une petite plume. Ouais. Lui aussi, pas mal. Encore un bien. Popper. Pour l'instant, on n'a pas sorti de jerk. Je pense que celle-là, c'est la boîte suite. Popper. Donc ça, c'est le même. Le même encore. Toujours le même. Alors voilà, ça, c'est ce que j'aime bien. Celui-là, ce popper-là, il fonctionne mais à merveille. Donc voilà, il y en a encore pas mal. On en a quatre. Type. Voilà, voilà, hop, je pose ça là tout de suite. Voilà, à toi. Ah, ensuite, voilà. Donc là, on a un petit jerk bleu et argent. Donc avec une petite plume. Pas mal, on verra ce que ça va donner. Ah, on les essaiera. C'est le même, mais d'une autre couleur. Celui-là, je l'aime bien. J'aime bien la couleur. On verra ce qu'il va donner aussi. Il doit bien faire. On essaiera les leurres. Donc là, ça, c'est un popper différent des premiers. Regardez, je vais grand. Vous montrer. Il est un peu plus long. La bouche n'est pas rentrée comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Si elle est un tout petit peu rentrée, mais vraiment très peu. Et il y a deux accroches possibles. Il y a une accroche en haut et une accroche en bas. Donc ça c'est vous qui choisissez. Alors celui-là, on l'a déjà présenté tout à l'heure. Voilà. Celui-là, c'est un nouveau, on n'a pas encore sorti. Hop.
C'est il est noir, il est noir, il est blanc et rouge pardon, avec une petite plume. Voilà. Donc je précise, c'est tous des leurres d'une marque chinoise. C'est Fischer. Fischer, voilà. Donc c'est une marque chinoise, ils sont pas ils sont pas fabriqués en France ni rien. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de leurres qui sont fabriqués en France. Ils sont fabriqués. Alors voilà, on a Badling acier qui est mis dedans. Donc je sais pas ce qu'il fout le Badling acier, si c'est un cadeau ou pas, mais en tout cas on a eu un Badling acier, donc on va pas le refuser. Voilà. Ensuite on va passer à la deuxième. La deuxième boîte. Hop, on va la virer celle-là. Coupe-moi ça. Bah coupe-moi ça au milieu là. Il y a un truc en dessous. Hop, donc on va virer cette boîte. Hop les. Ensuite on passe à la deuxième. Donc là il y en a un. C'est la même boîte, l'identique. Mais on va voir s'il y a des fleurs dedans. Il doit avoir des leurres différents normalement. On n'a pas commandé les mêmes leurs. Hop. Bah voilà, fais voir à l'intérieur. Ah ouais. Je vais vous montrer quand même à l'intérieur avant. Hop, ce que ça donne. Donc hop, vous pouvez le voir. Pas mal de leurres. Pas mal de leurres, on va les ouvrir. Hop, on va les sortir du carton. Alors. Popper couleur Tiger Tiger avec la petite plume derrière. Oui, je pense qu'il va bien fonctionner. Ouais, surtout qu'on pêche en canal, donc en canal l'eau est sombre, donc avec ce genre de leurres qui sont bien visibles dans l'eau, il y a moyen de faire des belles prises, je crois. Ensuite, ah, encore un popper d'une différente couleur. Là, il est jaune, violet et orange. Derrière. Sans plumes. En général, les grands qu'on a vu comme ceux-là, ils sont sans plumes. Et ils sont bruiteurs souvent. Il y a du bruit celui-là. Celui-là, il n'y a pas de bruit. Si. Si. Si, si, il y a du bruit. Il y a du bruit ? Non. Ah, je sais pas. Non, je passe pas. Non, pas de bruit. Il n'y a pas de bruit dans celui-là. Voilà. Ensuite. Alors, un jerkbait. Blanc, blanc transparent, ouais, je dirais. Blanc transparent avec la tête rouge. Ensuite, un popper, celui-là, il n'y a pas encore été. On en a commandé plusieurs, celui-là, vu que je sais qu'il fonctionne bien. Il n'y a pas encore été présenté. Hop, un petit popper, un peu couleur verte, différents verts. Ouais. Hop, je vais vous montrer. De face. C'est un genre de Tiger Tiger mais plus argenté. Tiens, je vais vous l'ouvrir celui-là. Hop. Je vais vous le sortir. On en a commandé 5 normalement. Bon, on va sortir peut-être un jerk. Ouais, le jerk après. Un jerk. Et on va sortir différentes tailles de leurre. Donc les poppers plus ou moins grands. Hop. Donc. Voilà le petit leurre en question. Il est bruiteur, non ? Celui-là, ouais, il fait du bruit. Je vais tenir les hameçons. Voilà. Il y a pas mal de bruit. Donc, celui-là, quand vous allez le faire, vous allez faire les actions, ça va faire du bruit et ça va attirer le poisson. Voilà, donc ensuite, je vais vous, pendant qu'il vous présente un autre leurre, je vais vous sortir. Celui-là, c'est la première fois que je le commande. Mais il a l'air, je pense qu'il va bien fonctionner. Je vais vous l'ouvrir parce que. Hop les. Donc là, on a le popper un peu plus long. Alors, excusez-moi. Le popper un peu plus long, comme vous pouvez le voir. Moi aussi, celui-là, il est bruiteur. Je pense que celui-là, il va bien fonctionner. La petite plume derrière. Là, c'est de la marque CF Lure. Donc. Je sais pas si vous allez voir la marque, voilà. C'est ici, c'est marqué juste là. Oh, j'ai déjà mis un leurre par terre, j'espère que il va bien. Il va bien, il s'est accroché dans mon cul. Voilà, alors moi je vous ai présenté celui-là. Ensuite, alors lui celui-là, on en a commandé plusieurs normalement. Il a été déjà présenté. Non, c'est pas le même. Lui ah non, il est blanc et lui il est argenté derrière. Donc on a les leurres, donc bah ceux-là tu peux les poser. Je vais les montrer. Ceux-là. Il y a différents. Donc, ceux-là, ils sont différents. Je croyais qu'on l'avait déjà.
Mais il y en a, il y en a un qui est celui-là est argenté et celui-là il blanc. Est blanc. Donc c'est pas les mêmes. Voilà. Alors. Je vais les poser. Hop là. Là on va être sur du jerk normalement. Voilà. Là on est sur deux jerk. Couleur vert avec quelques paillettes. Voilà. Celles-là, ils ont l'air d'être vraiment cool aussi. Ouais, naturel un peu. Couleur naturelle, un peu brochée. On va voir, on verra bien. On vous dira ceux qui fonctionnent le mieux si vous voulez en commander. Pour, je trouve que c'est pas cher pour des leurres. Pour ceux, par exemple, qui veulent débuter, avoir faire une bonne panoplie de leurres, c'est vraiment pas cher pour ce qu'on a. Ouais, il y a ceux-là. Encore deux jerk bait, de même. Couleur un peu, c'est bleu, transparent, blanc, et avec des points noirs. Ça, je pense que ça va bien fonctionner. Voilà. Hop, ensuite, il y a celui-ci. C'est un popper, je pense qu'on l'a déjà présenté. Non, lui, il n'a pas été présenté. Il y a celui-là et celui-là, c'est pas le même. Donc, celui-là, il y a le... La petite. Ouais, ça c'est le même que tout à l'heure. La petite. Voilà. La petite et là, je te laisse le dernier. Tu me laisses le dernier, c'est cool. Voilà, un petit jerk pour finir. Un petit jerk gris que je vais ouvrir. Hop, je vais vous ouvrir un jerk. J'ai pas encore ouvert de jerk. Moi j'avais envie d'ouvrir, c'est le. Celui-là. Hop. C'est lequel? Celui que t'aimais bien. Un petit jerk comme ça avec la petite plume derrière. Il est bruité, je crois. Il y a un peu de bruit et les billes, je pense le poids il est à l'intérieur. Ouais, le poids est à l'intérieur. On voit les billes. Là les billes là, les petites billes. Moi je vais vous montrer, peut-être qu'on les voit mieux sur le mien, mais c'est pas sûr. Si, si vous voyez mieux les billes là, il y a quelques billes dedans qui font le poids. Bon bah voilà, c'est tout pour ce pack opening. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne de haut. Hop, voilà, vous allez voir que la table est remplie. La table est vraiment remplie de leurres. Donc maintenant va falloir les essayer sur le terrain. Donc on va essayer de se faire quelques sessions avec ces poppers pour essayer en étant et dans notre canal. Et on verra bien. Donc c'est tout pour ce petit pack opening. On se voit la prochaine fois et je vous dis ciao ciao.